De toute façon, demain, on va faire le maximum pour assurer le spectacle, le maximum pour pouvoir remporter ce match. Et puis, je pense qu'en finalité, on aura certainement fait un très bon play-off si demain, on fait une bonne prestation. Bon, maintenant, le résultat final, bien sûr, dépend peut-être des autres. Mais en ce qui nous concerne, on ne s'inquiète pas trop sur ça parce qu'il n'est pas encore prouvé que OHL va les gagner à Beveren. Un bilan très positif, c'est-à-dire que l'équipe s'est stabilisée. Depuis un certain temps, on ne gagne plus un match, on en perd deux. On est tout près de la victoire puisqu'on tient pratiquement défensivement beaucoup plus qu'avant. L'introduction de jeunes joueurs qui ont permis de voir dans quel état ils sont actuellement, ce que Charleroi peut entreprendre pour la saison prochaine. Et je dirais, quand on voit notre avérage qui est 4 contre 1, Charleroi normalement devrait être premier de play-off avec ça. Une très bonne chose. En plus, c'est une personne très, très, très bien sur le plan mental, une bonne connaissance du football. Et bien sûr, il connaît la région, ce qui n'est pas plus mal non plus. Je crois que c'est un très bon choix de la part de la direction. Et surtout, je pense qu'il est déjà imprégné de ce qui va se passer dans les futurs mois. Charleroi est parti pour faire une très, très bonne saison dans les prochaines années.